Torah, chapitre 16 et chapitre 17. Torah, chapitre 16. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Bécha. Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour mériter par leur péché, voici, je vais balayer Bécha et sa maison. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Bécha, qui mourra dans la ville, sera mangé par les chiens. Et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Le reste des actions de Bécha, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Bécha se coucha avec ses pères et il fut enterré à Tirza. Et Ela, son fils, régna à sa place. La parole de l'Éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu, fils de Hanani, contre Bécha et contre sa maison. Soit à cause de tout le mal qu'il avait fait sous les yeux de l'Éternel, en l'irritant par l'œuvre de ses mains, et en devenant semblable à la maison de Jéroboam. Soit parce qu'il avait frappé la maison de Jéroboam. La 26e année d'Asa, roi de Juda, Ela, fils de Bécha, régna sur Israël à Tirza. Il régna 2 ans. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Ela était à Tirza, buvant et s'enivrant dans la maison d'Arza, chef de la maison du roi à Tirza. Zimri entra, le frappa et le tua. La 27e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Bécha. Il ne laissa échapper personne qui lui appartint, ni parents, ni amis. Zimri détruisit toute la maison de Bécha, selon la parole que l'Éternel avait dite contre Bécha par Jéhu le prophète. À cause de tous les péchés que Bécha et Ela, son fils, avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Ela et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? La 27e année d'Asa, roi de Juda, Zimri régna 7 jours à Tirza. Le peuple campa contre Gibbéton qui appartenait aux Philistins. Et le peuple qui campait apprit cette nouvelle. Zimri a conspiré et même il a tué le roi. Et ce jour-là, tout Israël établi dans le camp pour roi d'Israël, Omri, chef de l'armée. Omri et tout Israël avec lui partirent de Gibbéton et ils assiégèrent Tirza. Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi
et brûla sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il mourut, à cause des péchés qu'il avait commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam, et en se livrant au péché que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actions de Zimri et la conspiration qu'il forma, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Alors, le peuple d'Israël se divisa en deux parties. Une moitié du peuple voulait faire roi Tibni, fils Ginat, fils de Ginat, et l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni, fils de Ginat. Tibni mourut et Omri régna. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirza, il acheta le chemin, la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait, et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Omri se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie, et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Yael de Bethel bâtit Jéricho. Et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Un roi, chapitre 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur.
il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout de certains temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et il lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'elle est. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur lui. Puis, il invoqua l'Éternel
et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Même cette veuve, chez lui, j'ai été reçue comme un hôte. Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie, et il fut rendu à la vie. Elle prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et elle dit: Voici, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Reading 1 Kings 16 and 17. This message from the Lord was delivered to King Baasha by the prophet Jehu, son of Hanani. I lifted you out of the dust to make you ruler of my people Israel, but you have followed the evil example of Jeroboam. You have provoked my anger by causing my people Israel to sin. So now I will destroy you and your family, just as I destroyed the descendants of Jeroboam, son of Nebat, the members of Baasha's family, who die in the city will be eaten by dogs, and those who die in the field will be eaten by vultures. The rest of the events in Baasha's reign and the extent of his power are recorded in the book of the history of the kings of Israel. When Baasha died, he was buried in Tirzah. Then his son Elah became the next king. The message from the Lord against Baasha and his family came through the prophet Jehu, son of Hanani. It was delivered because Baasha had done what was evil in the Lord's sight, just as the family of Jeroboam had done, and also because Baasha had destroyed the family of Jeroboam. The Lord's anger was provoked by Baasha's sins. Elah rules in Israel. Elah, son of Baasha, began to rule over Israel in the 26th year of King Asa's reign in Judah. He reigned in the city of Tirzah for 2 years. Then Zimri, who commanded half of the royal chariot, made plans to kill him. One day in Tirzah, Elah was getting drunk at the home of Arza, the supervisor of the palace. Zimri walked in and struck him down and killed him. This happened in the 27th year of King Asa's reign in Judah. Then Zimri became the next king. Zimri immediately killed the entire royal family of Baasha, leaving him not even a single male child. He even destroyed distant relatives and friends. So Zimri destroyed the dynasty of Baasha, as the Lord had promised through the prophet Jehu. This happened because of all the sins Baasha and his son Elah had committed, and because of the sins they led Israel to commit. They provoked the anger of the Lord, the God of Israel, with their worthless idols.
The rest of the events in Ella's reign and everything he did are recorded in the Book of the History of the Kings of Israel. Zimri rules in Israel. Zimri began to rule over Israel in the 27th year of King Asa's reign in Judah. But his reign in Tirzah only lasted 7 days. The army of Israel was then attacking the Philistine town of Gibbethon. When they heard that Zimri had committed treason and had assassinated the king, that very day they chose Omri, commander of the army, as the new king of Israel. So Omri led the entire army of Israel from Gibbethon to attack Tirzah, Israel's capital. When Zimri saw that the city had been taken, he went into the citadel of the palace and burned it down over himself and died in the flames, for he too had done what was evil in the Lord's sight. He followed the example of Jeroboam and all the sins he had committed and led Israel to commit. The rest of the events in Zimri's reign and his conspiracy are recorded in the Book of the History of the Kings of Israel. Omri rules in Israel. But now the people of Israel were split into two factions. Half the people tried to make Tibni, son of Ginath, their king, while the other half supported Omri. But Omri defeated the supporters of Tibni, so Tibni was killed, and Omri became the new king. Omri began to rule over Israel in the 31st year of King Asa's reign in Judah. He reigned 12 years in all, 6 of them in Tirzah. Then Omri bought the hill now known as Samaria from his owner, Shemer, for 150 pounds of silver. He built a city on it and called the city Samaria in honor of Shemer. But Omri did what was evil in the Lord's sight, even more than any of the kings before him. He followed the example of Jeroboam, son of Nebat, and all the sins he had committed and led Israel to commit. The people provoked the anger of the Lord, the God of Israel, with their worthless idols. The rest of the events in Omri's reign, the extent of his power, and everything he did are recorded in the Book of the History of the Kings of Israel. When Omri died, he was buried in Samaria. Then his son Ahab became the next king. Ahab rules in Israel. Ahab, son of Omri, began to rule over Israel in the 38th year of King Asa's reign in Judah. He reigned in Samaria 22 years, but Ahab, son of Omri, did what was evil in the Lord's sight, even more than any of the kings before him. And as though it were not enough to follow the sinful example of Jeroboam, he married Jezebel, the daughter of King Ethbaal of the Sidonians, and he began to bow down in worship of Baal. First, Ahab built a temple and an altar for Baal in Samaria. Then he set up an Asherah pole. He did more to provoke the anger of the Lord, the God of Israel, than any of the other kings of Israel before him. It was during his reign that Hiel, a man from Bethel, rebuilt Jericho. When he laid its foundations, it cost him the life of his oldest son, Abiram. And when he completed it and set up its gate, it cost him the life of his youngest son, Segub. This all happened according to the message from the Lord concerning Jericho, spoken by Joshua, son of Nun. Kings 17. Elijah fed by ravens. Now Elijah, who was from Tishbe in Gilead, told King Ahab, "As surely as the Lord, the God of Israel, lives, the God I serve, there will be no dew or rain during the next few years until I give the word." Then the Lord said to Elijah, "Go to the east and hide by Kereth Brook, near where it enters the Jordan River. Drink from the brook and eat what the ravens bring you, for I have commanded them to bring you food." So Elijah did as the Lord told him and camped beside Kereth Brook, east of the Jordan. The ravens brought him bread and meat each morning and evening, and he drank from the brook. But after a while, the brook dried up. There was no rainfall anywhere in the land. The widow at Zarephath. Then the Lord said to Elijah, "Go and live in the village of Zarephath, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you." So he went to Zarephath. As he arrived at the gate of the village,
He saw a widow gathering sticks, and he asked her, "Would you please bring me a little water in a cup?" As she was going to get it, he called to her, "Bring me a bite of bread too." But she said, "I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house, and I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug. I was just gathering a few sticks to cook this last meal, and then my son and I will die." But Elijah said to her, "Don't be afraid. Go ahead and do just what you've said, but make a little bread for me first. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. There will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again." So she did as Elijah said, and she and Elijah and her family continued to eat for many days. There was always enough flour and olive oil left in the containers, just as the Lord had promised through Elijah. Sometimes later, the woman's son became sick. He grew worse and worse, and finally he died. Then she said to Elijah, "Oh man of God, what have you done to me? Have you come here to point out my sins and kill my son?" But Elijah replied, "God, give me your son." And he took the child's body from her arms, carried him up to the stairs to the room where he was staying, and laid the body on his bed. Then Elijah cried out to the Lord, "Oh Lord my God, why have you brought tragedy to this widow who has opened her home to me, causing her son to die?" And he stretched himself out over the child 3 times and cried out to the Lord, "Oh Lord my God, please let this child's life return to him." The Lord heard Elijah's prayer, and the life of the child returned, and he revived. Then Elijah brought him down from the upper room and gave him to his mother. "Look," he said, "your son is alive." Then the woman told Elijah, "Now I know for sure that you are a man of God and that the Lord truly speaks through you. The word of God for the people of God. Amen." Chapitre 16. Seigneur a parlé à Jéhu, petit garçon en ami, li ba li message ça pour Bacha. Li dit le comme ça. Bacha pas tant rien même. Mais moi mette le chef sous peuple moyen. Peuple Israël là, kou li a même, li fait tant kou Jéhoram. Les fini li la cause peuple la fait ça qui mal tout. Yo fait fâché ak péché yo fait yo. C'est comme ça moi pour le disparaître Bacha ensemble avec toute famille tant comme t'ai fait famille Jéhoram là. Chien pral manger cadavre moun dans famille qui va mourir dans la ville là. Mal fini 40 loups va manger cadavre ça yo qui mourir dans dehors yo. Toute l'autre histoire sous ça Bacha t'ai fait sous Jean lité yon vayan garçon n'a joigné écrit dans livre histoire ou à pays Israël. Les Bacha mouri enterré la ville Tissa. C'est là petit garçon qui monte roi dans place. Seigneur te bay prophète Jéhu petit garçon Anania message ça pour Bacha ak famille peut-être péché Bacha te fait contre Seigneur. Il te fait Seigneur fâché sous lui non seulement parce que il te fait ça qui mal tant pour mon famille Jéhoram yo mais tout parce que dit tout le monde dans famille Jéhoram là. Wa ça t'a marché sous 26 ans depuis t'a gouverné pays Juda. Le et là petit garçon Bacha monté roi pays Israël là. Il gouverné pendant 2 ans la ville Tisa. Zimri yon un chef lio qui était responsable. Moitié chalage wa monté un complot contre toi. Yon jour,
et là t'es la ville Tisa, dit ta boue gwog la kaye Adza qui te responsable par le wa. Zimri entre dans kaye la, li touye wa e la, li pren place li sou fote la. Tout ça passe dans 25e, dans 27e l'année reya sa, wa peyi jida. Moute Zimri moute wa, li touye dernier moun nan fami Bacha. Li touye tout garçon ki te fami, ki te famil ou sinon zamil. Se kon sa Zimri te touye tout fami Bacha. J'enseye te mette parol nan bouche pou fete joua. Je oua. Paske Bacha ake la, petit liya, te fin seye a, bon Dieu pep Israel la fache ak vie zidol yo. Yo te peche kont seye a, yo te la cause. Peuple a fait ça qui mal tout. Tout l'autre bagaille elle a te fait yo, la genou écrit dans les histoires au pays Israël là. Wa asa t'a marché sous 27e depuis li t'a gouverné pays Juda. Les Zimri prend pouvoir pour 7 grands jours la ville Tisa dans pays Israël. Les ça la peuple Israël là t'a sené la ville Gilbeon. Nan pays Filisti. Les soldats yo pran nouvèl Zimri te fè complot soua, li te même touye la pou la. Yo nomen Omri commandant l'armée wa pays Israël. Omri kite la ville Gibeton ensemble ak toute l'armée, li monte la sènen la ville Tisa. Lò Zimri wè la ville la t'ap pral tombe nan men Omri. Li entre nan ti fort ki sou tèt pale wa, li mette di fe nan pale a et puis li mouri nan ti fe a. Sa te passe kon sa, paske Zimri te fe sa ki mal nan je seye a. Takou Jéroboam, li pat fe sa ki droit devan seye a. Li te la cause pep Israël la fe peche tout. Tout l'autre bagay Zimri te fe, ak istwa konplo li te moute a, nan jwenn sa ekri nan liv istwa ou a pe Israël yo. Mais ça, mon pays Israël, te fait des camps. Moitié là dans yo te voulait faire Sibni, petit garçon Genat lawa, moitié te pour Omri. Partisan Omri yo crasé partisan Sibni. Petit garçon Genat la, Sibni mouri, Omri mouté wa. C'est comme ça dans 39e l'année reya ça. Wa pays Juda Omri ou monté sous pays Israël. Li gouverné pays ya pendant 12 ans. Pendant 6 ans, li gouverné dans la ville Tisa. Après ça, li acheté mon Samaria pour 6000 pièces argent nan men yon nom yo te rele Chimé. Omri bâti yon la ville sous tête mon nan, li rele Samari. D'après nom Chimé, ancien maître. Omri fait ça qui mal dans Jésus-Seigneur. Li paix, il fait plus mal parce que moun qui était chef en face. Li marche pied sous pied, pied pour pied de Jéroboam. Petit Nebat là. Li fait ça qui mal, li la cause peuple a fait ça qui mal tout. C'est comme ça yo te fait Seigneur, bon Dieu peuple Israël a fâché à vieux idole. Toute l'autre histoire sous ça Omri te fait. Sous Jean l'ité yon vayan garçon, nan jwenn sa ekri nan liv histoire wa peyi Israël yo. Le Omri mouri yon enterre la ville Samari. Se a kap petit garçon nan ki moute wa nan plase. Wa Asa te gen 38 ans depuis li tap gouverné peyi Juda le a kap petit Omri ya moute wa peyi Israël. Pendant 22 ans li gouverné pays Israël là dans la ville Samarie. Il fait ça qui mal dans Jésus-Christ. Il fait plus mal parce que tout le monde qui était chef avant lui. Non seulement il était fait en couche au Boram, petit Nebat là, mais là les plus loin toujours il marié à Jézabel, petite fille et Baal. Ou à pays Sidon. Il prend servi Baal. Il met à genoux devant lui. Dans mitan la ville Samarie, li bâti un temple pour Baal, li mette un hôtel là-dedans. Li fait un statue pour Astarté tout. Li fait plus mal parce que tout l'autre roi pays Israël qui était passé avant lui pour faire signer à bon Dieu peuple à fâcher.
Cependant, rien à Kabla, yon nom yore le liel. Moun la ville Bethel, rebati la ville de Jericho. Mais parole Seigneur a te di, Josué petit nous. Oui, vevri. Abiram premier petit liel la, mouri le yota fouye fondation la ville la. Le finisse goud, deuxième petit garçon liel la, mouri le yota mouté pour tout la ville la. Chapitre 17. Yon prophète yote rele Eli, moun la ville Tishbe, nan zon Galarad, di wa akab kon sa. Nan non seye m ap servi a, bon je vivan pep Izrael la, men sa m ap di yo. Panan lan ne kap vini yo, pap gen la ouze, pap gen la pli, si se pa mwen ki mande sa. Apre sa, seye a pale a ke li li dil kon sa. Kite kote oye a, allez dans direction soleil levé. Al cacher tout près ravine Kerit là qui sous beau soleil levé la rivière Jourdain. Ou joindre de l'eau dans ravine là pour boire. Moi bay kaou yo l'autre pour yo porter manger ba ou. Et il fait ça Seigneur a dit il fait. Il parti, là il était tout près ravine Kerit là. Kaou yo porter un pain ak viande pour lui chaque matin. Chaque assou, li te jwenn de l'eau pour le boire dans ravine là. Quelque temps après, ravine là vin cherche parce que la pluie pas tombé dans pays là. Mais ça, Seigneur a parlé à Eli et dit comme ça. Levé non, allez la ville Sarepta dans pays Wasidon. C'est là où pral rete kouli là. Moi baï yon femme veuve qui était là-bas l'autre pour lui ba ou manger. C'est comme ça Eli levé vrai, li parti pour la ville Sarepta. Les li rive portail la ville là, li wè yon femme veuve qui t'a ramassé bois. Li relé, li dit comme ça: "Tant pis, pote ti goud l'eau dans un vaisseau pour mon boy." Madame la fait ça pour la chercher de l'eau. Et il relé l'encore, il dit comme ça: "Tant pis, portez un morceau pain pour moi tout." Madame la répond lui: "Moi prend Seigneur à bon Dieu ou là qui vivant pour témoin. Moi pas gagne pain tout cuit la caille moi. Tout ça me gagne c'est un point farine France dans un petit bol avec petit goutte d'huile dans une bouteille. Moi fin ramasser des petits bois là pour mal parer petit ça qui était là. Qui était là pour moi avec petit garçon là. Les ma fini manger, nous pral rete comme ça jusqu'à goûter nous." Eli dit: "Pas d'accord. Allez parer petit manger ou là. Seulement foyon petit pain pour moi enfant. Et puis porter le vini. Après ça, on va faire yon pour avec petit garçon là. Parce que mes paroles Seigneur, bon Dieu peuple Israël là, bon Dieu peuple Israël là dit, ti bol farine France là ak ti bouteille l'huile d'olive là, pap jam vite chouk jou mwen. Moi-même Seigneur m'a fait la pluie tomber sous la terre encore." Madame n'a allé li fait ça. C'est comme ça pendant longtemps, ni madame là, ni petit garçon là, ni Eli, yo tout jeune manger pour yo manger. T'es toujours gen farine France dans ti bol là ak l'huile d'olive dans ti bouteille là. J'enseigne à te mettre parole là dans bouche pour fête Eli. Quelque temps après, petit garçon maîtresse Kayla tombé malade. Maladie a vini pi mal sur les chouk li mouri. Madame l'a dit Eli comme ça: "Serviteur bon Dieu, pour qui sont femme ça? Ouvrira caille moi." Madame l'a dit: "Eli,
Pour qui ça ou fait ça? Serviteur bon Dieu, ou vin la caille moi pour faire bon Dieu changer mieux? Changer péché mieux pour faire petit garçon m'la mourir? Elle répond, bon petite là, li prend petit garçon nan main maman, li monte avec nan pièce chambre en haut, ka elle à côté li rete ya. Li mette le coucher sous cabane là. Après ça li la prière, li dit, Seigneur, bon Dieu moi. Pour qui ça pour faire vers ça tout toute la peine ça. Li recevoir la caille, mais on prend petite li. Et li couche trois fois sous petite là. Li a prié. Li dit, Seigneur, bon Dieu moi, t'en prie, bay petite la vie encore. Et li prend petit bois là, li descend en bas avec, li remet li bay maman. Li dit, gade, ti garçon ou l'an vivant. Madame la répond, kou liye a moi wè, se servite bon Dieu ou y vri. Parole nan bouchou, se parole bon Dieu vri. Parole bon Dieu pou pep bon Dieu.
Oh.